Bonjour, bienvenue à cette troisième table éditoriale du Devoir. Mon nom est Brian Miles, je suis le directeur. Qu'est-ce que Québec solidaire pourrait accomplir si elle forme l'opposition officielle plutôt que le deuxième groupe d'opposition? On va talonner François Legault sur la plus grande crise de notre époque, la crise climatique. On va mettre tout notre poids dans la balance pour que ce gouvernement-là ait enfin un plan de lutte au changement climatique qui tient la route. On va travailler fort pour que le projet de troisième lien, qui est un mauvais projet pour Québec et pour le Québec, ne voit pas le jour. On va aussi talonner François Legault sur la crise du logement, qu'il a nié pendant 3 ans, c'est quand même pas rien. Moi, je répète que je suis en campagne pour former le prochain gouvernement. Mais si jamais on termine dans l'opposition, je pense qu'on est les mieux placés pour demander à la CAQ de rendre des comptes sur ces enjeux. Avec un gouvernement solidaire, c'est quoi la place d'une entreprise privée? Parce qu'on vous a entendu dire que ça va être juste des PME. À part les dépanneurs, là, qu'est-ce qu'on fait? Notre plan Vision 2030, notre plan climat, comporte des investissements importants dans les secteurs qui sont les secteurs d'avenir de l'économie québécoise et d'accompagner les secteurs qui, eux, sont plus fragiles dans le contexte de la transition écologique. Vous voulez mettre de côté près de 30 milliards de dollars pour développer les infrastructures de transport collectif. Qui va se charger? Est-ce que c'est Bombardier ou c'est des entreprises indiennes? Pour le matériel roulant? Oui, notamment. Bien, c'est parce que, oui, bien, dans le cas des contrats de matériel roulant à Québec solidaire, on a toujours été très clair qu'on allait favoriser les entreprises québécoises. L'ensemble des investissements, l'ensemble des contrats qui sont donnés, l'État du Québec devrait être exemplaire puis devrait intégrer des critères verts dans l'ensemble de ses actions économiques. Quand vous avez chiffré ces engagements-là, est-ce que vous avez mesuré l'impact potentiel sur les bassins de main-d'œuvre et les fournisseurs d'ouvrages des grandes entreprises qui sont capables de faire ces contrats? Bien sûr, il y a des défis. Puis la pénurie de main-d'œuvre, ça fait partie de ces défis-là. C'est pour ça qu'il faut travailler pendant qu'on investit à régler cette pénurie de main-d'œuvre-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, d'abord, on priorise les chantiers. Faire travailler des centaines de personnes sur un projet comme celui du troisième lien, c'est pas une bonne décision. Nous, on va retirer plusieurs projets du PQI pour prioriser des investissements qui ont une utilité sociale, qui ont une utilité écologique. Est-ce que vous reconnaissez la nécessité d'un autre lien entre les deux rives à Québec? Nous, ce qu'on reconnaît, c'est la nécessité d'améliorer la mobilité entre les deux rives. Mais est-ce que ça passe par un autre lien? Le meilleur moyen d'améliorer la mobilité entre Québec et Lévis, c'est par une solution de transport collectif. La meilleure solution tunnel, de transport collectif, tunnel, c'est dans un service rapide par bus qui emprunterait le pont de Québec. Il faut améliorer la mobilité écologique entre Lévis et Québec. Le projet qui a déjà été dans les cartons dans la région, c'est celui d'un service rapide par bus. C'est moins clinquant peut-être que ce que proposent certains autres partis, mais l'objectif en transport en commun, c'est quoi? C'est de donner des options pratiques aux gens et de les donner le plus vite possible. Fiscalité? Oui. Je comprends toujours pas comment vous en êtes arrivé à la conclusion que de suspendre la taxe de vente pour des produits de luxe peut être une solution pour venir en aide aux plus défavorisés. En fait, le congé de taxe de vente qu'on annonce, c'est seulement sur les produits essentiels. Et nous, on n'ira pas micro-gérer dans chacun des magasins en mettant des étiquettes. La suspension de la TVQ, c'est une mesure temporaire. D'ici à ce que l'inflation revienne à des niveaux normaux. C'est une solution qui est d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il faut donner de l'air dans le budget des gens rapidement, mais il faut le faire sans sacrifier la capacité de l'État québécois à long terme à investir dans les services publics. Le poids des biens essentiels dans le panier de consommation des ménages qui sont moins bien nantis pèse beaucoup plus lourd que le poids des biens essentiels dans le panier de consommation des plus nantis. Vous avez l'intention, d'une manière plus pérenne, de changer la façon dont on impose les salaires. Oui. Bien, c'est-à-dire que c'est quoi le taux marginal d'imposition maximal dans un gouvernement solidaire? C'est que les gens en bas de 100 000 $ vont payer un peu moins d'impôts sur le revenu. Les gens en haut de 100 000 $ vont en payer un peu plus. Donc, c'est des augmentations bien réelles, mais elles ne m'apparaissent pas délirante. Il y a eu des réactions. Quand on fait 225 000 par année, 2 000 de plus sur le rapport d'impôt, c'est... Ouais. Je pense que ça devrait aller pour ces gens. Cette proposition-là a suscité des réactions, notamment de vos adversaires. Mais surtout, celle qui a fait le plus réagir, c'est l'impôt sur la succession. Donc, pour les actifs nets qui dépassent 1 million de dollars. On applique
un impôt sur les grandes fortunes qui va s'appliquer aux 5 % le plus fortuné au Québec en disant, après le premier million qui est exempté, on pense que 1 000 par million sur les actifs nets, c'est raisonnable, 0,1 % Le 5 % le plus fortuné, selon nous, a les moyens de faire cette contribution supplémentaire-là dans un contexte d'augmentation faramineuse des inégalités de patrimoine. Bien des pays dans le monde ont déjà ces mesures-là. Hein? Mais au Québec, c'est un débat qui n'avait jamais eu lieu. Je constate que ça a réagi vivement. Et je pense aussi que c'est un retour à la réalité brutale pour beaucoup de politiciens et de politiciennes qui pensaient connaître la classe moyenne au Québec et qui se rendent compte de c'est quoi la vraie classe moyenne au Québec. Comment cette taxe-là sur les successions a un lien de causalité sur l'amélioration de la condition des gens qui sont plus démunis? Ah, ben parce qu'on finance des services publics universels avec ça. Je trouve qu'on ne talonne pas beaucoup les politiciens qui n'ont pas assez d'ambition et qui n'investissent pas assez. Parce que les défis du Québec, là, le virage vers les soins à domicile dans un contexte de vieillissement de la population, l'état de nos écoles, l'école, l'état de nos hôpitaux, les investissements historiques que vont prendre la transition écologique, ça prend de l'argent pour faire ça. Moi, je n'ai pas l'intention d'être une seule seconde sur la défensive sur ces enjeux-là parce que c'est aux politiciens qui manquent d'ambition et qui n'investissent pas assez de justifier pourquoi ils le font. Votre programme en matière d'éducation, je veux bien le comprendre, quand on parle des écoles privées, oui. Vous invitez, disons, les collèges privés qui le souhaitent à entrer exact. Dans le giron public. Exact. Et ceux qui ne le souhaiteraient pas, vous allez les définancer. Et ce que prévoit cette proposition-là, c'est de dire on va financer, en fait, à 100 % les écoles privées qui le souhaitent avec des fonds publics, mais en les intégrant sous forme d'organismes sans but lucratif et en leur appliquant l'ensemble des paramètres des écoles publiques. Autrement donc, il n'y aurait plus de tests d'admission? Exactement. Bon. Au Québec, 60 % des jeunes au secondaire qui vont dans une école privée finissent à l'université. 60 % Dans les élèves qui vont dans des écoles publiques régulières, c'est 15 % qui vont à l'université. Est-ce que ça nous dérange ou pas, ça, au Québec? Moi, ça me dérange. Quand on concentre les élèves qui ont plus de difficultés ensemble, ça a tendance à créer plus de difficultés. Quand on mélange les élèves, qu'on facilite la mixité sociale, ça a l'effet de tirer tout le monde vers le haut. Moi, je pense que c'est ça la société qu'on veut au Québec. Puis donc, il faut que nos écoles y ressemblent à la société qu'on veut créer. En santé, là, tout le monde semble s'entendre pour dire qu'il n'y a pas assez de médecins puis ça va être impossible d'avoir un médecin pour chaque Québécois qui en exprime le besoin. Et on va dire, on va mettre des infirmières, d'autres, qui coûtent moins cher que les médecins. Est-ce que c'est la solution ou si vous envisagez peut-être qu'il n'y ait plus de médecins payés moins cher? D'abord, le tout aux médecins, en effet, je pense qu'il faut en sortir, là, en misant sur des cliniques de proximité, que sont les CLSC, en misant sur une porte d'entrée qui existe déjà dans notre système, qui s'appelle le 811 Info Santé, qui est largement sous-utilisé et qui n'est pas connecté à notre système de santé. Il y a un écart injustifiable entre les médecins et les autres professionnels de la santé au Québec. On va réduire cet écart-là. On va faire nos annonces détaillées plus tard, mais je peux vous dire une chose, l'incorporation des médecins, ce sera terminé. Québec solidaire est crédité de 17 % des intentions de vote, selon un sondage léger qui a été diffusé jeudi dernier. QS obtient l'appui de 38 % des 18-34 ans, 14 % des 35-54 ans, mais 7 % des 55 ans et plus. Ouais. Bien, je pense qu'il y a cette perception que Québec solidaire, c'est beaucoup le parti des jeunes. C'est vrai, mais un des défis que je me suis donné durant la campagne électorale, c'est de construire les ponts vers les autres générations. Puis la souveraineté pour vous, ça vient avec quel sentiment d'urgence? Ça vient avec le sentiment que pour faire les grandes transformations qu'on a besoin de faire au Québec, on a besoin d'avoir tous les pouvoirs, la transition écologique notamment. On a des ambitions à Québec solidaire de relancer le secteur ferroviaire. On pense que les trains de passagers doivent recommencer à circuler au Québec. C'est possible de le faire sans le projet d'indépendance, mais ça va être pas mal plus compliqué. Sur la question, la loi 21, on connaît votre position là-dessus, mais la loi 96, il n'y a pas des gens chez Québec solidaire que ça va trop loin, que les mêmes gens qui s'opposent au projet de loi 21, il y en a beaucoup qui s'opposent au projet de loi 96. C'est très clair. On va garder ce qu'il y a de bon dans le projet de loi 96, puis on va changer ce qu'il y a de moins bon
Puis qu'est-ce qu'il y a de moins bon? Bien, deux problèmes principaux. D'abord, la clause du 6 mois, qui d'abord est inapplicable. Deuxième problème, le manque de reconnaissance des langues autochtones. Nous, on est en faveur d'une protection supplémentaire du français au Québec, mais si, quelles sont les langues les plus menacées sur le territoire québécois? C'est les langues autochtones. On peut pas. On devrait, nous, comme minorité francophone en Amérique, être les plus sensibles qui soient. Nous, on pense que le principe général, il est simple. Les francophones doivent pouvoir travailler en français au sein de l'État québécois. Il faut aussi s'assurer que personne ne se fasse refuser de service. Les interprètes servent à ça, la traduction s'en sert à ça. Et surtout, il faut agir en amont. En amont de ces problèmes-là, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y a l'échec de la francisation au Québec. Merci beaucoup. Gabriel Nadeau-Dubois, on vous souhaite une bonne fin de campagne. Ça me fait plaisir. Merci.